Les castings, c'est quelque chose de parfois très simple et très compliqué. Et regarde. Ben, c'était parfait, mademoiselle, mais est-ce que vous pourriez essayer encore une fois, enfin, je sais que c'est la 8e fois, de le faire dans un thème. Vous venez annoncer une très mauvaise nouvelle. Très bien. Ça devrait pas être moi qui dois t'annoncer ça, mais... Marie... Marie est partie. Ça faisait 2 ans qu'elle se battait pour ce cancer. Contre ce cancer, excuse-moi. Et... elle est partie hier soir. Ah, mademoiselle, c'est... J'en ai les frissons, là. Par contre, voilà, je sais que le metteur en scène, s'il avait été là, vous aurait demandé, parce qu'il est assez perfectionniste. Là, pour cette dernière version, je ne vais pas insister après, est-ce que vous pourriez me faire la même chose en grommelot? En grommelot? Oui, en grommelot, c'est-à-dire avec la même intensité, sentiment, mais... Je sais avec ce que des mots voilà, improbables. C'est pourquoi, enfin, dans quel but? Ben, dans le but de voir votre comment vous pouvez aborder un personnage, même d'une manière comme ça, sans les mots, et comment vous vous imprégnez de... Parce que là, c'était superbe. Hein, c'était superbe. Alors, je sais qu'il veut encore voir des facettes de tous les personnages. Donc je vous demande, voilà, si vous acceptez là, de le faire en grommelot. Oui, oui. Gracias. Nu ramet vilken stund de mok fushuna. Precis. Rosh. Så, i gris med affär. Et là, pareil, hein, j'en ai eu les frissons. Je vous remercie. Bah, écoutez, c'était encore parfait. Je vous remercie. Ah, mais excusez-moi. Oh, bah, désolée, là, quelqu'un d'autre qui attend, là, je suis un petit peu pressée. En tout cas, je vous remercie et on vous recontactera. Eh bien, merci. On vous écrira. Au suivant.